Le vestiaire lillois, juxtaposant la salle de presse dijonnaise, a longtemps chanté hier soir. Et ça se comprend aisément avec cette 7e victoire en 10 journées, la 3e de rang. Le LOSC a maintenu son rythme d'enfer avec un nouveau but de Nicolas Pépé, son 7e cette saison, et un contre-conclu juste avant la pause par Araújo, 0-2, 43e. La musique n'a pas été la même en seconde période, après les entrées de Gourcuff et de Slity, puis la réduction du score d'Abeille, 1-2, 82e. Mais au final, elle fut quand même bonne point CR ce matin, quand les nordistes regardent dans le rétro, Lyon son premier poursuivant pointe à 5 points. Montpellier et Marseille pourront néanmoins s'intercaler aujourd'hui en cas de succès. En Bourgogne, on n'a pas assisté à la performance la plus aboutie des Dogues. Ils devaient sans doute retrouver des jambes après 2 semaines de trêve, voire quelques automatismes. Comme prévu, Maya avait été titularisée pour suppléer Xeka au cœur du jeu. Le Brésilien fut précieux à la récupération. La performance de Luis Araújo, la surprise de Galtier dans son 11 de départ, fut moins complète. Souvent trop près de Loïc Rémy, il a laissé des espaces au milieu mais il a eu le mérite d'en prendre un pour creuser l'écart juste avant la pause. Efficace, ils auraient même pu tuer ce match en première période, les Lillois ont alors fait le dos rond pendant les 30 dernières minutes. Maignan enchaîna les parades, 52e, 65e, 69e, 87e. Dans les temps forts dijonnais, Soumaoro et Front ont également réussi plusieurs interventions décisives de grande autorité, 66e, 69e, 86e. Le geste maladroit du Portugais dans sa surface, 81e, n'aura finalement aucune conséquence au classement, seulement au tableau d'affichage. Lille prenait les 3 points, pour le plus grand plaisir de Christophe Galtier, qui temporise, il ne faut pas que cette 2e place soit une chape de plomb. On ne finira sûrement pas 2e et Paris sera champion avec beaucoup de points d'avance. Il ne faut pas que ce soit un fardeau à défendre. Point, on a encore beaucoup de secteurs à améliorer. On est une équipe jeune, on a encore beaucoup de travail. Qu'il reste compétitif et compétiteur pour gagner le plus de matchs possible. On va recevoir quand, il va falloir mieux jouer que ce soir pour l'emporter.